Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Vraiment très très content de l'évolution, bien sûr, que prend ma chaîne, bien évidemment. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens qui me suivent. Donc voilà, j'ai réglé mon problème de cam. Tout va bien. J'ai fait un petit effet clair entre le clair et le. Enfin, voilà, un petit effet. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est la dernière vidéo de ce FS17, les amis, parce que cet épisode-là sortira lundi soir, bien évidemment, à 17h. Je vous explique tout ce qui va se passer juste après l'intro. Et donc, les amis, voilà, donc c'est le dernier épisode, comme je le disais, sur le FS17, sur la map Le Vieux Marais, bien évidemment. Donc là, je suis tout seul parce que Bart n'a pas pu venir. Puis vous avez eu l'épisode de mercredi, un épisode hors série, entre guillemets, sur cette map-là. On va continuer, les amis, il n'y a pas de souci. On va continuer sur cette map un petit peu. Donc là, je vais vous mettre juste ce que j'ai fait, en fait, pour vous montrer que j'ai avancé un petit peu. On a labouré un autre champ avec mon ami Bart l'autre jour, puisque on s'était arrêté. Je vous rappelle, les amis, je vous montrais comment on fait l'évolution et les étapes en fait d'un champ d'herbe pour le semer en céréales. Voilà, donc je vous rappelle, on a fauché, on a pirouetté, on a endainé, on a pressé, on a ramassé les bottes. Je sais plus si je l'ai mis ça en vidéo, mais c'est pas grave parce que en ce moment vous en avez eu un petit peu, donc où justement je fais des plateaux, mon ami Bart. Ouais, effectivement, je fais des plateaux assez bien aussi, du mieux que je peux, du moins. Donc voilà, c'est vrai que j'ai déchargé les bottes là-haut et vous voyez, j'avais attelé la charrue tout simplement parce que donc j'ai mis du fumier. On va sans plus attendre aller le labourer ce champ. On mettra un petit fond musical à la rigueur, c'est pas un souci. Donc on va aller labourer bien un autre champ en fait, tout simplement. Vous allez voir que j'ai, voilà, le champ qu'en fait on a où j'ai. Vous aurez le petit laps de vidéo. Alors je sais pas si cette vidéo-là, je vais pas la partager en deux. Ça va dépendre de la longueur en fait. On verra suivant comment je fais, tout simplement. Mais bon, ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, ça. Un petit peu de nostalgie parce que voilà, on est lundi et effectivement, dans une semaine, on va quitter le FS17, tout simplement. Mais c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Donc on sait que ça va être mieux. Du moins, on l'espère, quoi. Ah, putain, on l'espère quand même. Je rentre par là, hein, comme d'habitude. Hein. Alors voilà, donc là vous avez vu, j'ai mis du fumier. Donc on va le labourer. Vous allez voir, on va faire ça. Juste regarder que ça fonctionne. Si, ça fonctionne. Parfait. Alors on va le labourer ensemble. On va du moins commencer à le labourer ensemble. Et après, je finirai de le labourer bien sûr en off. Et ce que je ferai, c'est que dans la foulée, j'enchaînerai avec le semis de blé ou de blé ou d'orge, on verra. Voilà, comme ça au moins, vous aurez deux activités sur cette vidéo, pardon. Voilà, simplement quoi. Hein. Donc c'est la période en ce moment, les amis. Même c'est un peu tardif, puisque beaucoup là. Par chez moi, ont déjà semé, bien évidemment, mi-novembre. Alors, on a eu en plus un temps magnifique, donc du coup, ça a permis de préparer les terres tranquillement. Voilà. Donc, nouveau casque. Mon setup, comme je l'ai dit, est pratiquement au complet. Il me manque juste l'écran incurvé. Ensuite, mon tapis de souris va arriver. Une fois que j'aurai mon tapis de souris, que j'aurai tout ça, les amis, je vous ferai une vidéo setup. Il n'y a pas de problème. Ouais, je pense début décembre.
Les vidéos IRL vont arriver aussi, puisque je suis en train de plancher sur le sur la chose. Vous voyez, ça se fait super bien avec le gros tracteur de tête. Alors c'est pas pareil quand je suis tout seul, évidemment, c'est pas pareil. Hein. Je préfère quand il y a mon ami Bart. Hein. C'est logique. J'espère qu'en tout cas, ces petites vidéos qu'on a fait avec Bart, c'est du hors-série. Ça vous aura plu. Voilà, laissez, n'hésitez pas à lâcher des coms, bien sûr, des commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, bien sûr. Voilà, ça mange pas de pain. Donc voilà, après je ferai les finitions sur mon bureau que j'ai fait moi-même. Que j'ai fait moi-même. Et c'est d'autant mieux que... de le faire soi-même, c'est d'autant mieux que... que d'en acheter un tout fait, quoi. Mais voilà, voilà, la vidéo setup, bien sûr, les amis, j'attends d'avoir mon écran, parce que, voilà, bon, c'est pas... J'ai deux très bons écrans, hein, mais je me suis offert un écran incurvé. Et oui, JM, je te l'ai pas dit, parce que c'était sur Amazon, et c'était une offre 24 heures. Donc, je suis tombé sur un écran Samsung, les amis, en incurvé, LED 3D, enfin 4K, truc génial. Pas cher. Donc le RP, les amis, ne s'arrêtera pas, hein. Bien sûr, il va continuer sur le 17. Il évoluera sûrement sur le 19. On verra avec mon ami Bart, mais comment ça va évoluer. Mélissa va revenir dans le RP aussi. Puisque là, vous aurez eu, au moment où je tourne la vidéo, l'épisode n'est pas fait encore. Il sera fait ce soir. Voilà, parce que je tourne la vidéo de lundi, bien sûr, en avance. Parce que croyez-moi, les amis, c'est une... c'est l'organisation, en fait, tout simplement. C'est vrai qu'on s'organise de façon à ce que on peut se libérer du temps. Et puis, et bien sûr, je ne fais pas que ça. Voilà. Sinon, je serais collé à mon bureau H24. Hein. Alors, je suis bien dans mon fauteuil, les gars, mais bon. Si je peux en sortir des fois, de temps en temps, ça m'arrange aussi. Hein. Donc voilà, on a fait la moitié du champ à peu près ensemble, les amis. Je vais finir de mon côté. Et comme ça, je vous collerai les vidéos, enfin les rushs les uns après les autres. Mais vous verrez, j'essaierai de vous faire un petit montage assez sympathique.
Et donc voilà les amis, donc on a attelé, du coup vous aurez vu en accéléré la fin du labour. Là on va sans plus attendre monter dans le beau tracteur, dans le 6830, et on va revenir bien sûr au champ où on était et on va commencer à semer du blé, tout simplement. Alors, on va y aller tranquillou. On va commencer de le semer ensemble, les amis, et parce que j'ai peur que quand même tout seul ça fasse une vidéo assez longue, enfin même trop longue. Donc on va faire deux ou trois allers-retours ensemble et puis on se laissera là. Et dans le prochain épisode, puisque ne vous inquiétez pas, hein, il y aura d'autres épisodes sur cette série et sur cette map, puisque c'est une map qui est très bien. Là, voilà. Alors là, on va activer ça. On va remonter, voilà. On va activer ça. Et normalement, c'est bon. On va mettre le traceur. Et on y va. Donc je disais les amis, oui, il y aura d'autres épisodes. C'est pas le dernier, ne vous inquiétez pas. Mon PC est capable de supporter les deux farmings. Que ce soit le 17 ou le 19, il n'y a pas de souci. Il y aura bien sûr des épisodes avec la team. Il y aura des épisodes aussi hors série avec Bart parce qu'on en a prévu d'autres. Il y aura des maps qui vont sortir. Il y aura plein de choses. Ne vous inquiétez pas pour ce 2019. On va pas vous laisser comme ça. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, ce qui est important, si vous voulez, voilà, c'est que... Effectivement, j'ai commencé... On va dire une série sur la fin du FS17. La ferme laitière Aveyronnaise. Et j'ai pas envie de l'arrêter. Franchement, les gars, j'ai pas du tout envie de l'arrêter. Parce que c'est une série qui déjà qui vous plaît. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, parce que moi, tant que j'ai du plaisir à jouer dessus et que j'ai du plaisir à vous proposer un contenu, il n'y a pas de souci, je continuerai. Et donc, il y aura peut-être... mais il y en aura moins souvent, voilà. Puisque forcément, le FS19 va prendre la place des séries du FS17. Donc, c'est logique qu'il y en ait moins souvent. Donc, après, ça sera des épisodes, voilà, des épisodes un peu bonus, un peu hors-série. Mais c'est pour se dire, voilà, on reste quand même sur le 17. Et on continue à jouer au Farming 17. Et puis, il y a vraiment de très très beaux modes hein, sur ce Farming 17. Donc, honnêtement, ça donne pas envie de... Ça donne pas envie de le lâcher, quoi. Quand on voit ces John Deere, là, on se dit, voilà, c'est un régal, ces tracteurs. Donc... Et puis il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres. Donc forcément, voilà, ça donne pas envie de lâcher le morceau, quoi. Allez, voyez. Il me semble, pour pas dire de conneries, parce que j'en dis beaucoup, mais il me semble que c'est un 6 mètres, le 4 ou 6. Mètres, 4 mètres, et le champ est pas grand, hein, donc hop. Et puis au pire, on verra. Soit je le finirai moi de mon côté et je filmerai pour pouvoir vous le proposer en accéléré. Enfin, je vais voir. Ça va être un méli-mélo, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. On fera la fin ensemble. 1, 2, 3, 4. Ouais, parfait. On va encore faire un aller-retour. Et puis, je vois que... C'est vrai que le temps passe vite en vidéo. C'est un truc de fou, quoi. On a l'impression de ne pas faire grand-chose. Et déjà, on est à 20-25 minutes, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Allez, on fait un aller-retour. Et puis on se laissera là tranquillement. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Mes vidéos commencent à prendre.
les abonnés commencent à venir. Et ça fait vraiment chaud au cœur, ça. Voilà, c'est. En fait, c'est pas un travail parce que c'est un hobby. Mais c'est un hobby, voilà, qui vous plaît. Et ça, c'est primordial, c'est le principal, quoi. Et puis mon accent, mon petit JM. Ah, j'ai fait un trou. Ah ben forcément, j'avais pas mis le traceur du bon côté. Bon, c'est pas grave. Je le ferai. C'était Set Farmer 12, le geek du soleil. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine, un très bon week-end. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures.